Hey les amis, c'est Mir de Game of Villain, j'espère que vous allez bien. Ah ben en fait si, c'est le dernier épisode. Bon, j'avoue avoir pas mal rushé le jeu, mais l'histoire reste quand même relativement courte. Après, il y a plein de petits trucs à faire en plus, mais qui ne font pas avancer le scénario. Du coup, je reste un peu sur ma faim, surtout que j'avais vraiment kiffé le premier Edge. Mais c'est pas grave, comme il est court, je vais en profiter pour refaire le jeu sans HUD et vous proposer le film. On est parti pour l'épisode 7 du Let's Play de Rage 2 et on va botter les fesses du Général Cross avec le char Prédateur. Allez, fini la parole, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous! Walker, tu vas pouvoir partir. T'as tout ce qu'il te faut pour affronter l'autorité. Enfin. J'y vais, Lily. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Pour Prolet, pour Rhineland, pour nous. Attention vous autres, j'approche du QG de l'autorité. Voilà, je vais mettre fin à ce bordel sans nom. T'as mis la main sur le prédateur, fais-leur mal. Du prédateur fonctionne. Les tourelles ne tirent pas. Tu trouveras une plateforme juste devant la porte principale. Avance jusque-là et laisse-nous bien faire le reste. Préparez-vous au calme. Ne bouge plus, Walker. Pas même. Le brouilleur va disparaître si la tumeur a trompé le scanner. Scan non concluant. Je te l'avais dit, ça a marché. Il brouille les signaux du scanner et... Procédure de sécurité Delta initiée. Veuillez présenter une confirmation d'ADN. Un échantillon d'ADN? Vous m'aviez pas dit que vous aviez tout prévu? Veuillez présenter une confirmation d'ADN. Niveau de menace supérieur. Doc? Vous recevez? Ah oui, évidemment. J'ai préparé une réplique numérique parfaite de l'ADN de Cross.
Je vous transfère la séquence de données immédiatement. Vous n'auriez pas pu penser à faire un essai avant, Vazir ? Non, mais tout s'est bien terminé. La machine vous prend maintenant pour ce bon vieux général. Comme la machine du Centre Eden, vous prenez déjà... C'est bon, je suis entré. Et profite pas, tu vas y arriver. Je suis pas sûr. Walker va avoir besoin de renfort. Reste tranquille, Lily, on va pas tout faire foirer. Le Ranger contrôle la situation. Évitons d'autres blessés. Des blessés ? Encore toi. Tu me colles comme un morpion, inutile rejeton. Comment tu as réussi à arriver jusque-là? C'est un mystère. Tu pensais sincèrement que personne ne remarquerait un deuxième Général Cross dans ma base? Quel le moche!
ce que toi et tes imbéciles d'acolytes n'arrivez pas à comprendre, c'est que l'humanité est en bout de course. Ce grossier personnage de Craig Clayton, je te garderai une place dans ma salle des trophées.
laisse-toi battre comme un chien.
tranquille. Je peux te voler ta revanche à chaque fois. Pas question. Tu comprendrais pas. C'est de la science. Entre les mains d'un inutile rocher. Le virus nanotrite. C'est bon, docteur Vazir. T'as envoyé me l'administrer. Il savait très bien que tu y passerais aussi. Alors, nous partons ensemble vers l'au-delà.
Vous voyez, je vous avais dit que ça ne risquait rien. Il lui fallait juste un petit cocktail reprogrammant à base de nanotrite. Moi je dis, vous avez eu du bol. Mais si j'ai pu sauver Walker de la mort, quelqu'un d'autre sauvera peut-être Cross. Vous avez besoin de moi. Lex, on y va. Ah, te revoilà. Notre ranger est sur les chapeaux de roue. Le projet DAG a fonctionné comme un charme. Les clones de Cross sont hors d'état de nuire. Pour le moment. Quel dommage d'avoir frôlé la mort pour tout cela. Kvasir a joué avec ta vie. Le sérum que t'as utilisé pour liquider Cross aurait pu vous tuer tous les deux. Mais il est parvenu à inverser le processus puisque Lily est allée te chercher. Il l'a échappé belle. Lily était sur le point de lui exploser la cervelle, tu sais. Quand tu iras mieux, il y aura beaucoup de travail pour le Ranger de Vineland. Mais pour l'heure, va te reposer un peu. Walker, n'essaie pas de parler. Je reste là. Et quand tu seras rétabli, on aura pas mal de boulot, Ranger. Je t'écoute, Ranger. Tu nous as impressionnés, Walker. La colonne vertébrale de l'autorité est brisée. Nous pouvons enfin reconstruire. Mais j'imagine que tu es déjà très occupé. Il y a encore beaucoup à faire pour un seul Ranger. Une nouvelle menace attend toujours. C'est vrai. Mais avec l'élimination de Cross et de Clay Clayton, il faudra un peu de temps avant que quelqu'un ne saisisse l'occasion de venir remuer la merde. On a besoin de moi dehors. Je sais. Bonne chance, Ranger Walker. Quand tu le sentiras, Walker. Il y a encore pas mal de boulot ici pour un Ranger. Et pour un bon mécano aussi. J'arrive pas à croire que t'es braqué Kvasir. Bah moi, j'arrive pas à croire qu'ils aient laissé Staré en liberté. Ils pourraient tous nous détruire en un clin d'œil. Créer un super virus, une nouvelle race de mutants, une bombe atomique... du poison. Il est louche, je sais bien. Mais on a d'autres choses à foutre, tu crois pas? Ce sera le bordel après les derniers combats. Des groupes de bandits vont apparaître. Il reste encore des machines de guerre de l'autorité dans le coin. Et elles sont hors de contrôle. Alors on retourne au boulot.